garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la suite des zooms de mes produits du moment. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peeling gel. Alors, donc le produit que je vous présente là est un peeling gel de la marque Obey Your Body, qui est celui-ci. Alors, si vous savez lire l'anglais, parce que moi, je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est celle de la mer morte ou un truc du genre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? Ça, c'est mon deuxième flacon. Donc, qu'est-ce que je pense de ce produit? En fait, j'ai commandé deux fois le même produit et je ne le savais pas. Donc c'est un 50 ml valable 24 mois. Donc c'est un gel transparent, hein, comme vous pouvez le voir là, qui s'utilise en fait pour nettoyer donc son visage. Alors il faut savoir que ça ne mousse pas. C'est un gel peeling. Cependant, ils vous disent peeling, c'est pas réellement vrai. C'est-à-dire que, enfin c'est vrai sans être vrai, vous allez appliquer le produit sur une peau mouillée. Le produit donc vous allez mettre, vous allez masser. Et à un certain moment, le produit en fait va faire des micro-peaux, si vous voulez, comme si vous perdiez en fait votre peau. Sauf que c'est le produit en lui-même qui va travailler. Le truc que je n'ai pas aimé, c'est que déjà d'une, il ne faut pas le laisser une minute ou plus d'une minute sur votre peau. Parce qu'il a des ingrédients tellement puissants là-dedans que si vous faites l'erreur, comme moi j'ai fait une fois, de le laisser 2-3 minutes, je me suis retrouvée, je commence à voir le visage qui brûlait, des plaques rouges ici, et là je me suis dit, Laurie, ça commence à être sérieux. Je me suis immédiatement rincée. Les quelques minutes qui ont suivi, j'avais des plaques rouges là. Je commençais à peler de la peau. Donc ce produit-là est à utiliser par parcimonie. Il coûte cher puisqu'il est à plus de 100 euros. L'action, j'en ai pas trouvé. Parce que en réalité, le truc, c'est que vous allez donc masser votre peau. Mais vous allez voir aucune réaction sur votre peau. C'est-à-dire que vous ne verrez pas une nouvelle peau qui va se former. Vous aurez toujours la même, mais vous avez l'impression que votre peau n'est pas propre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tellement le travailler vite, ce produit, pour éviter justement d'avoir des plaques rouges, que vous n'avez même pas le temps puisqu'il ne mousse pas. Vous n'avez même pas le temps réellement de vraiment le travailler. Il se travaille à une vitesse très, très rapide et on ne voit pas la différence. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de mousse. La peau ne crisse pas. Je n'ai vu aucun effet. Donc ce produit-là coûte cher. Après, je n'ai pas vu d'effet. C'est mon deuxième flacon. Et franchement, pour moi, je ne le rachèterai pas. Il coûte plus de 100 euros et je n'ai vu aucun effet. Donc je suis déçue sur ce produit-là. Peut-être que je ne l'utilise pas comme il faut. Si vous l'avez, dites-moi comment vous l'utilisez. Parce que moi, j'ai essayé sur peau mouillée, peau à moitié mouillée, peau sèche. Mais je sais que ça ne s'utilise pas sur peau sèche. Dites-moi comment vous l'utilisez parce que, oui, il ne mousse pas. Mais en plus de ça, effectivement, il fait des espèces de peau morte qui ne sont pas votre peau à vous, hein. Non, c'est le produit qui pèle et qui fait une espèce de peau, mais c'est ce produit-là qui pèle, c'est pas votre peau, hein. Non. Donc si vous l'avez, dites-moi comment vous l'utilisez, parce que moi, j'en ai été déçue, et pour mon avis personnel, je ne vous le recommande pas. Voilà. Donc, sur ce, les filles, les garçons, voici mon avis. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si vous le souhaitez à mes vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !